C'est un exemple de coopération entre entreprises et nous sommes sûrs que c'est un exemple qui peut être développé aussi au Sénégal. Et ensuite, après la visite du parc, nous avons visité plusieurs entreprises du secteur aéronautique, certaines spécialisées dans les drones, d'autres dans des fabrications additives et d'autres en ingénierie. Que nos amis du Sénégal puissent avoir une vision globale de ce qui se fait à Séville en relation avec le secteur aéronautique. Dans le cadre d'un benchmarking, mais aussi développer ce qu'on appelle les best practices, car comme vous le savez, sur ce parc technologique qui fait 1 km² donc de superficie, alors il y a l'implantation de 140 entreprises. Donc ce qui est une innovation majeure, toutes ces entreprises évoluent dans le domaine donc, de l'aéronautique. Et je pense qu'il y a des similitudes par rapport à notre projet d'aéroville, car comme vous le savez, donc, notre ambition c'est de créer effectivement un parc technologique à Dias, donc dans le cadre de notre projet donc, de développement de l'aéroville. Et je pense que la visite d'aujourd'hui est une visite en tout cas fructueuse. Les discussions vont se poursuivre, donc des équipes vont venir, donc chacun dans son domaine respectif. En tout cas, pour essayer de prendre en tout cas le meilleur des Espagnols que nous allons effectivement amener chez nous au Sénégal pour le développement de notre industrie aéronautique.